Bonjour à tous, donc Pierre est en train de farfouiller parce qu'il fait. J'ai attrapé une arbalète. Voilà, d'ailleurs c'est la fameuse arbalète de l'intro. Voilà. D'ailleurs elle est à vendre si vous la cherchez hein, dans les accessoires officiels des PNCube. Ah. Voilà. Alors. Donc, deuxième partie pour voilà, deuxième partie dans laquelle je vais maintenant aborder alors voilà, alors je voulais un peu plus d'action. Je voulais vous montrer voilà, il y aura un peu plus d'action, je voulais vous montrer la capture des voilà. Alors là, il y a des abeilles donc qui se logent dans des ruches qui ont des habits. Chaque munition vivante a des habitats. Non mais chaque munition vivante a des habitats j'allais dire sponsorisés avec tes conneries commercialisation. Des habitats spécifiques. Que j'arrive pas à les attraper d'ailleurs les abeilles. Ah parce que oui, en fait, oui c'est ça, tu les shoots et après voilà. Tu les attrapes comme on disait. D'ailleurs là il y a une petite... ces munitions là sont limitées d'ailleurs, parce que sinon heureusement parce que tu pourrais plus... Oui. Ce serait un peu bête. Voilà. Un jeu dans lequel on ne peut plus jouer. Genre. Et tu dois les attraper une par une. Enfin, ça fait plusieurs à la fois quand... Oui, attends, là par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui sortent parce que... comme elles ont vu que j'étais là. Oui, elles sont bannies. Ah, elles ont... Oui, voilà. Donc on est une bonne intelligence artificielle. Alors, ça appartenait à faire du grabuge, défense d'entrée. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris l'initiative de traduire les trucs. Les trucs in-game. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué... je ne me rappelle plus comment on dit en anglais, mais bon. Donc, là, par exemple, je vais prendre un putois. Ouh, c'est tellement... Il est où le putois ? Sexy. Moi j'ai plus de putois. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon, je vais prendre une chauve-souris et elle va exploser. C'est le truc qui explose ça, oui, voilà. Ouais, voilà. Et là, lui est mort, mais lui est assommé parce qu'il a 3 étoiles. 10 étoiles, quand voilà, et je peux l'aspirer et il coûtera plus cher quand je revendrai. C'est pratique. Hein. Quand je revendrai. Commerce de corps. Voilà. C'est super éthique. C'est un jeu très éthique. Donc. Oui, par rapport au graphisme, alors comme on peut voir, c'est très beau, oui. Franchement, alors tant au niveau des cinématiques, donc évidemment, les cinématiques sont plus belles que... In-game. Obviously. Et parce que d'ailleurs, le studio projetait même de se lancer dans l'animation. Voilà, c'est ça, donc je sais pas si ça suffit au final. Et quand je vous parlais de l'aspect plateforme, voilà, on se retrouve là, l'aspect plateforme, là, on se retrouve à sauter sur des... Voilà. Wow. Oui, non, c'est très beau, puis les effets de lumière, voilà. Voilà, surtout l'aspect. Et voilà, une mention spéciale. Voilà, comme vous voyez, là, c'est dans l'univers un peu Far West. Là, oui. Voilà. Et voilà. donc voilà, alors on a des animations assez cartoonesques qui contribuent à l'humour de ce jeu, comme ça a contribué à l'humour de toute la série. Mais voilà, et donc l'univers est quand même parfois sombre. Hein. Faut savoir que malgré ses allures, comme je l'ai dit, un peu infantine. C'est quand même interdit au moins de 12 ans. Oui. Donc, par exemple, enfin voilà, donc bon, après, voilà. Faut que je me calme. Alors pourquoi tu as ramassé ces munitions? Juste pour en avoir ou est-ce que tu as un but précis? Non, c'est juste pour en avoir. Ouais, juste pour en avoir, donc tu es un gros cupide. Voilà. Qui veut tout pour toi. Alors là, je vous préviens, je fais pas du truc en infiltration. On a vu ça de toute façon. Je crois pas qu'il y ait besoin de prévenir. Je crois que c'est clair. Alors il y a les bolamites. Mais t'es dans une mission là Oui, je vais aller récupérer quelqu'un qui a disparu. D'accord. Qui a été enlevé plutôt même. Alors là, voilà. Alors le système de soignement, régénération de santé, ça on se secoue comme ça. Voilà. Vous allez me dire que c'est trop facile du coup. Mais non, pas du tout, parce que le jeu il est quand même super retors. C'est-à-dire? Ben c'est quand même difficile quoi. C'est pas On peut pas se secouer à tout moment aussi. Non, parce qu'il y a une barre d'énergie. Oui, voilà. Et que si vous n'avez pas assez d'énergie, vous pouvez vous secouer. Voilà. Donc, du coup, pour en revenir au graphisme, il contribue d'une part à l'humour par rapport aux animations, voilà. Hein, mais aussi à l'originalité, parce que, au cas où vous n'aurez pas vu, voilà. On voit pas du tout. Déjà, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Et vous le saurez qu'après.
Et du coup, voilà, il y a plein de comment dire, même dans toute la série des Oddworld, il y a plein de créatures un peu bizarres, voilà, qui ont été carrément, qui sont caractéristiques de l'univers Oddworld. Et voilà. Donc après, qu'est-ce que j'avais à dire en plus Peut-être au niveau de la bande son. Oui, après au niveau de la bande son. Bon, comme on l'a vu, c'est doublé, hein. Oui, voilà. Vas-y, tu peux en parler, voilà, vite fait de la avec fonction. Les accents qui donnent bien le ton, justement, tu parlais de l'humour. Ouais. Les accents des kékés, c'est ça, kaké. Les kakés, voilà, les poulets. Oui, voilà. Alors, qui font pas l'air piqué. Donc, les poulets. Non, oui, c'était nul. Non, et puis même les accents en général du jeu donnent le ton. Ils sont là, les putois. Désolé. Ah, ben oui, les voilà. Donc, voilà, ça. Et puis les musiques, elles sont du même acabit, dans le genre western. Ouais, non. Non. Enfin, genre, enfin, western. Disons que c'est un mix de plusieurs trucs en fait. Oui. Disons que. C'est assez spécial. Oui, oui, c'est vraiment assez spécial. Ça fait écouter. Voilà, c'est un peu, oui, voilà, c'est un peu vraiment bizarre. Ça donne voilà, ce ton un peu bizarre au jeu. Ça contribue à une ambiance assez bizarre. Mm. Parce que disons que des fois, pour l'exemple, il y a des mix entre la musique électronique et la musique aborigène. Voilà, donc c'est très très. Voilà. Space. Donc voilà. Mais il y a aussi des westerns. Voilà. Voilà. Bon. Alors. Peut-être pas western voilà. Spaghetti. Désolé pour les amateurs. Non, non. Bon, voilà. Après, je sais pas si tu as des choses à ajouter. Ben non, le playthrough est fini. Au revoir. En termes de durée de vie, bon, c'est peut-être un petit peu court. Alors, ouais, c'est court. C'est court. Et ouais, parce qu'il n'y a pas assez de quêtes en fait. C'est vraiment dommage. Parce que même si on s'embête à les faire. Oui. Elles sont quand même très courtes parce que là vous voyez il y a voilà comme je viens de franchir un tunnel, bon il n'y avait pas 10 000 possibilités. Non, il n'y avait pas grand chose. C'est voilà. Vrai que tu disais que c'est lyriste. Et tu me disais aussi que le problème c'est que même si on s'embête à tout récolter au niveau. Oui, on s'embête à comment dire à avoir tous les hors-la-loi, bon pas les hors-la-loi communs là qu'on bute, voilà, mais tous les boss en fait. Si on s'amuse à tous les avoir vivants, enfin s'amuser, c'est un peu un oxymore, mais bon. Enfin, là ici, mais bon. Ouais, mais ça changera pas, rien. Bah, parce que voilà, alors il n'y a pas de. Enfin bon, il y aura une récompense plus forte à chaque hors-la-loi capturé vivant, mais. Oula. Au final, en fait, ça fait juste plus d'argent, c'est tout. Oui, mais voilà, et si on les a tous eus. Comme ça Ouais. Il n'y a pas de. De récompense non. Spécifique. Bientôt. Voilà. Vas-y, toi, c'est bien. Voilà. Oh, ben, je suis mort. On a vu comment on peut mourir, du coup. Ben oui, c'est un peu pédagogique dans tout ça. Voilà. Comment c'est justifié quand on meurt. Voilà. Mais néanmoins, il y a quand même, l'univers est quand même attachant. Malgré qu'il soit court, on a quand même, on a quand même bien le temps de s'attacher à l'univers, notamment par exemple. Déjà, au gré des nombreux rebondissements. Et puis le personnage me plaît bien, je trouve qu'il est. Ouais, voilà, il est assez. Quand même, il, au fur et à mesure du jeu, il est assez charismatique. Hein, ouais. Il a. Il dégage une aura de charisme. Hein, et... tant elle est mystérieuse. Voilà. Oh. Ah, mais d'accord. Attends, je vais la plateforme là. Ouais, je vais essayer de la voir discretos. Et puisque tu as dit qu'on pouvait faire ça de façon stratégique. Là, ils m'ont presque pas repéré. Je sais pas s'ils m'ont repéré. Il y a marqué. Non, ils m'ont. Disons qu'ils me soupçonnent, mais. Ah, ils ont pas. Ouais. Ah, il y a différents niveaux de. Oui, enfin, ouais, là, je. Je crois qu'ils ont entendu. Ils sont là. Ah, allez, voilà. Merde, là, il m'a vu. Ah, oui. Ah, oui, là, il t'a bien vu, là. Faut dire que tous les hors-la-loi sont des bandes de bras cassés, pas possible. Ça se voit. Ouais, ils sont tous. Bon, je vais le neutraliser avec une. Merde. C'est non. C'est des hors-la-loi du dimanche. C'est exactement ça. Alors que toi, tu es un professionnel. Ouais, entre autres. Alors. N'en dire pas plus. Et ben voilà, en fait, je crois que j'avais tout. C'est tout ce que j'avais à dire en fait. Voilà, ben. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Dites-le nous, on attend. Voilà, on attend des commentaires. Non, mais voilà, après, voilà, c'est vraiment c'est l'univers qui m'a marqué dans ce jeu. Oui. C'est que, franchement, il y a. C'est mine de rien, ça peut. C'est quand même. Il y a quand même des trucs assez profonds. On s'y attache vachement, c'est super original.
On s'attache beaucoup à l'univers, je viens de le dire. Voilà. Franchement, bon, le gameplay est parfois. Enfin, disons que le jeu peut se révéler parfois frustrant par rapport à un gameplay qui est. Enfin, non, par rapport à un jeu qui est retort. Après, le gameplay, je sais pas si. Il y a certaines phases qui sont un peu dures. Ouais, qui sont plus dures que d'autres. Nécessitent de comprendre, d'assimiler une certaine stratégie. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Notamment au niveau des boss. Voilà. Il faut avoir passé le cap. Je lance dans le feu. Oh, il crame. Ouais. C'est pas très éthique tout ça. Enfin bon. Bon, voilà, on l'a compris. C'est un jeu que. On l'a dit en première partie, un jeu engagé et militant. Hein. Oui, voilà, c'est. Avec pas mal de grosses surprises et bon novateur voilà. Il faut le dire. C'est vraiment franchement si vous cherchez original. Franchement c'est si vous cherchez voilà quelque chose d'original, c'est vraiment quelque chose qui se départage des marques. Voilà parce que non vraiment. Et après voilà, après si vous faites ça pour la beauté du jeu, ben il est beau. Donc voilà. Il vaut aussi le coup dans ce cas-là. Voilà, cet aspect-là. Voilà, ben, et en donc, plus, c'est un oublié de l'histoire vidéoludique. C'est bien dommage. Parce que voilà, par rapport justement à l'édition, par rapport voilà, à hier. On veut justement lancer une. Comment dire. Un petit coup de colère contre eux. Parce qu'ils n'ont pas du tout fait de pub à l'époque. Ils ont complètement fait foirer ce jeu. Ouais. Et du coup, la société qui l'a édité, enfin qui l'a développé, est tout simplement morte en fait. Voilà, alors qu'ils avaient pondu un super jeu. Ouais. C'est peut-être un peu trop atypique pour... c'est ça en fait, c'est peut-être ça, oui. Et puis bon, il y a aussi le manque de communication, bon, donc, parce que les premiers épisodes étaient plus connus que ça. Oui. Voilà. Donc si vous avez l'occasion d'y jouer, ne serait-ce que sur les nouvelles plateformes sur lesquelles il est ressorti, oui. N'hésitez pas, foncez. Voilà. Foncez, oui. Et continuez à partager. Et continuez à partager les PlayingTube sur les différents réseaux sociaux. Donc je ne citerai pas le nom parce que j'ai vraiment pas envie de leur faire la pub à ces connards. De capitalistes. Voilà. Allez dire. Bon, donc. Ben. On va vous laisser. On va vous laisser. Et à un prochain PlayingTube. Et hasta siempre. Hasta siempre. Voilà. Nous rappelons que l'arbalète est toujours à vendre pour ceux qui la vendent.